Allez, vas-y. Voilà, petite partie de pêche, encore aujourd'hui. Eh oui, quand on a un enfant qui aime la pêche, comme le papa, eh bien, il se languissait. Hein, il se languissait, papa, la pêche, la pêche. Donc là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est là. Hein. On a fait 3 jolis poissons. Voilà. Hier, on en a fait 2, on en a rejeté plusieurs. Là, c'est pareil. Papa est un poupon d'eau. Voilà. Papa, combien? Un. Et toi? Deux. Voilà. Lui, il en a fait 2. Et on en a rejeté. Voilà. Mais là, on compte ce qu'on laisse dans le seau. Voilà. On les mange à la friture, hein, comme je vous ai dit. Puis, il les a mangés à midi, ce qu'on a fait hier. Là, Léo m'a dit, on retourne à la pêche, on retourne à la pêche. J'ai dit, bien, on y va. J'espère que vous allez bien. Nous, ici, ça va. Il y a eu des pluies un peu autour, mais ici, comme vous pouvez voir, c'est orageux, il y a un peu de vent. Alors, le froid que je vous avais annoncé au mois de décembre, ben, il se fait maintenant en retard. Voilà. Alors on va voir si Léo il fait un poisson. Donc il y a beaucoup beaucoup de petits. Hein. Des trucs de 7 cm, 8 cm là. On les relâche. Et le truc, c'est que comme on a un gros hameçon pour attraper les gros, parce que si on mettrait un petit hameçon, on n'attraperait que les petits. Donc on met un gros hameçon pour attraper vraiment les gros. C'est comme ça qu'on fait à la pêche. Surtout quand on veut garder. On n'est pas là pour prendre plein 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 de poissons. On est là juste pour prendre un peu de poisson pour manger. Et surtout, surtout, comme je vous l'ai dit dimanche, c'est vraiment pour passer une après-midi, on va dire, quelques heures dans la nature à la pêche. Alors vivement qu'il pleuve beaucoup, beaucoup, beaucoup et que l'eau elle monte. Donc vous voyez, il y a 2 étages, hein, ça va monter jusqu'en haut là. Et là pour pêcher, ce sera mieux. Puis pour le poisson, ça sera aussi mieux. Voilà. Donc toujours dans le bon petit coin. Voilà. Je vais m'asseoir un peu là, tranquille, à regarder Léo pêcher. Voilà. Non, pas en bas, après on va tomber. Voilà, c'est agréable d'être là au bord de l'eau. Et oui, le calme, le calme. Les oiseaux, les corbeaux, les. Il y a tout. On a vu même les buffles passer tout à l'heure, tiens. Vous savez, ici, les oiseaux ont vraiment pas peur de l'homme. Vraiment, vraiment pas. Car ils savent que, justement, ben on les tue pas, hein. Ils tuent pas les oiseaux ici, hein, que ce soit les tourterelles, d'autres oiseaux qui ressemblent un peu à la grive. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux et franchement, non, 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 non. Sawadee krap, wanito pra, titankema pisao, topapanin. Si shampoo, ce soleil, en bon cap. Donc voilà un petit peu ma journée. Ce matin,
ce matin, franchement, les trois, moi, Léo et puis moi, on a fait la grasse matinée, on s'est levé et on s'est réveillé surtout à 10h30 du matin. Ça, c'est pas bon, ça. 10h30, il était. Exactement 10h28. Voilà, un petit vent. Petit vent du soir. Et ça essaye d'apporter la pluie, mais il pleut pas ici. Il pleut chez mon ami Alain, là-bas, là-haut. Il a plu trois jours, mais bien comme il faut, comme il m'a dit. Bonjour la Belgique, Sylvana, bonjour, encore au bord de l'eau, avec Léo en train de pêcher, on se régale. Ah, il avait tout préparé. T'en as un? Il avait préparé les cannes, il avait préparé le seau. Alors je le faisais patienter parce que j'étais en train de faire un devis tout court pour un couple qui veut venir l'année prochaine ici, du moins l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, c'est après. J'arrive plus à savoir les on va dire les mois, pour le mois d'août. Voilà, pour le mois d'août, donc j'étais dans le bureau et les bruits faisaient que me dire, papa, on y va à la pêche, ça y est, on y va. Donc voilà. On est allé chercher des verres. Tu vas tomber. On était chercher des vers de terre, on a quand même des peines de mie là. Donc le temps d'aller chercher les vers de terre, de creuser un petit peu, voilà. Ça nous a pris quelques minutes. Mais bon, on était dans les rizières, tous les deux. Voilà. Et de là, on est venu ici caler le poisson. Donc on a rejeté quelques poissons, on a gardé, il y a trois poissons dans le seau là, voilà. Donc ça suffit, hein, on prend les plus gros, puis voilà. Tu vas tomber. Alors on va aller là-bas, comme ça il va tomber et on va rigoler. Si tu tombes, aïe. Non. Monte là-haut, mets-toi là-haut. Mets-toi là-haut. Parce que là, tu vas accrocher les arbres là. T'accroches les arbres, on ne pêche plus, hein, c'est fini. Hein. Eh oui. Mets-toi en haut là-haut. Papa, il ne te voit pas là. Et en plus, il y a les herbes là, tu peux pas pêcher. Et mets-toi sur le côté là. Allez, vas-y, monte là-haut là, c'est mieux. Comme ça, papa, il te voit à la caméra. Là, il te voit pas trop. Voilà. Parce que là-bas, il va glisser. Et en plus, il y a les fourmis. Allez, vas-y, lance. Et fais un poisson qu'on voit que tu fais un poisson. Donc les enfants n'ont pas l'école encore. On leur fait peur. Comme je dis, c'est peut-être les derniers temps de la picouse en Thaïlande. N'oubliez pas que demain, c'est le 22, hein, mes amis. Voilà. Pour ceux qui savent, savent. Allez, fais-nous le poisson. Là. Alors, ces poissons qu'on est en train de faire, bon, là, c'est les... on appelle ça des portions. Dans le jargon de chez moi, dans le sud. Hein. Tu pêches les arbres, hein? Eh oui, c'est en haut. Sinon, les poissons qu'on pêche, quand ils sont adultes et qui sont vraiment gros, ça peut arriver jusqu'à 2 kg, jusqu'à 3 kg. Donc ça, c'est des gros poissons. Et quand vous mangez cette chair, il ne faut pas le prendre trop gros,
Parce que sinon, pour le cuire, ça va être long. Et au plus c'est long, au plus la peau qui est dessus, pour que ça puisse cuire à l'intérieur, il faut le laisser un peu plus longtemps, que ça soit sur le barbecue hein, ou au four. Mais là, ici, nous, c'est sur le feu de bois, avec du gros sel dessus, qui empêche justement que la peau, elle brûle, elle crame, qu'elle devienne noire. Et au plus il est gros, au plus ça va être long, justement, pour le faire cuire, et c'est pas bon. Regarde en haut, Léo. Pas bon, pas bon. Montre à papa. Tiens, tiens, tiens. Tiens-toi, tiens-toi. Hop, hop. Voilà. Donc, comme je disais, il faut prendre un poisson à peu près de 1,5 kg, 2 kg. 2,8 kg, c'est bon. Allez, 2 kg. 2 kg, c'est bon. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, tu peux la chanter, la chanson, Sylvana. Il est là, le bonheur, il est là. Il est encore là, le bonheur, il est là. Exactement, exactement. C'est vraiment le bonheur. Ces moments passés comme ça, et surtout, je fais les vidéos, je fais des photos, donc c'est des souvenirs. Mais voilà, dans la tête d'un enfant, bientôt Léo va avoir 9 ans le 22 mai. Donc il aura ses souvenirs là avec son papa qui pêchait ici, quoi. Hein, comme Océane, elle a ses souvenirs où on allait pêcher en mer. Hein, en rivière, en mer. Plus souvent c'est en mer, hein, parce que j'avais le bateau. Mais voilà, et elle m'en parle toujours. Hein. Exactement. Et moi, mes bonheurs à moi, en France, c'était la pêche. Hein. J'ai toujours pêché, hein, à l'âge de Léo, je pêchais. Ma mère me laissait, avec mon frère, partir pêcher dans la ville où on était. Il y avait des sorgues. Et on pêchait les truites, on pêchait les anguilles, on pêchait, voilà, on pêchait tous les poissons. Et on passait des journées au bord d'un lac et tout. On y allait à pied ou en vélo, selon l'endroit où on allait pêcher. Vas-y, vas-y, mono, mono là, voilà, échange. Et ça a toujours été des moments forts avec moi. Voilà. Vous savez, des souvenirs de pêche, j'en ai à revendre. Je vais vous en dire quelques-uns. Oui, on a fait. On a gardé trois poissons, des portions. Et sinon, le reste, les petits qu'on fait ou les moyens, on les rejette. Et selon la. Il y a plusieurs familles de poissons ici. Et c'est vrai que l'autre famille de poissons, ben, finalement. Ah, tu l'aimes celui-là d'arbre. Hein, tu l'aimes. Hein. Mais je le couperai pas pour toi, je te le dis. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Avec la canne. Tac, tac, tac. Baisse, baisse. En bas. Voilà. Vas-y. Encore. Poum. Encore. Doucement, doucement. Celui-là, il aime cet arbre. Je ne sais pas. Voilà. Il y en a qu'un. Je vais vous le montrer. Hein. Vous allez voir. Hein. Voilà, il n'y a qu'un arbre là, il n'y a qu'un peuplier, foie papa. Non, non, non. Oui, allez. Tu te débrouilles, hein? Oh. Eh ben, tu mets l'ompane. Allez, tiens. Allez, vas-y. Heureusement que tu as le professionnel de pêche, tiens. Ah oui! Allez! Eh oui, mes amis. Donc, les anecdotes de pêche, bien entendu, j'en ai à revendre. Quand on arrivait de pêche et on avait pêché des perches soleil, des seaux complets, parce qu'on était plusieurs, bien sûr, de pêcheurs. Il y avait les voisins qui venaient avec nous, les voisines qui pêchaient aussi. Hein. Corinne Corbon, Christophe Corbon, Pascal Planck,
Et mon frère aussi, bien entendu, il y aura d'en haut. Et c'est vrai que quand on repartait à la maison, ben, notre connerie, c'était de mettre les poissons dans les boîtes à lettres des habitations qu'on traversait, quoi. Donc, on allait à la pêche le samedi, souvent. Donc, ça restait dans la boîte à lettres samedi soir, dimanche, jusqu'au lundi. Donc, les chats, je vous dis pas les chats, ils devaient sauter sur les boîtes à lettres. Bon, on n'a pas fait que ça comme bêtise. J'allais dire connerie, parce qu'on dit connerie à Marseille. Oh, on a jeté aussi pendant l'été des gros poissons de 2 kg, 3 kg dans les maisons, quoi. On passait, boum. Quand les fenêtres elles étaient ouvertes, on lançait le poisson dans la maison, quoi. Et oui, c'est ça, on était cons, on était bêtes, on était jeunes, voilà. Mais bon, moun, c'est comme ça. Là, on est bien, on est avec notre petite équipement, là, voilà. Il fait pas soleil. Donc ici, il n'y a pas que des retenues d'eau comme ça. Ça, c'est retenue d'eau pour les rizières, mais pas que pour les rizières. Quand vous avez une retenue d'eau comme ça, un escalier, comme vous voyez là, donc il y a une berge, deux berges, il y a même une troisième berge en bas, car la profondeur fait à peu près, on va dire, 5 mètres. Ça, c'est pour les poissons. Voilà, ça, c'est pour les poissons. Bon, on va s'en servir parce que s'il y a un manque d'eau, les rizières sont juste là derrière et finalement on va les arroser parce que c'est mieux le riz que le poisson, mais il reste toujours de l'eau, hein. Vous inquiétez pas pour ça, voilà. Mais sinon il y a des lacs vraiment qui sont des retenues d'eau pour les rizières. Après il y a des rivières, bien entendu, il y a des cascades. Ça, vous les verrez avec les excursions que vous ferez avec Kerry Thailand. Ça va les crabes. Kontai kasevisai, amper kasevisai, roet cap. Ani topa. Topra. Alors, c'est un arbre, ça. C'est pour ça que je m'approche là, regardez. Et corquillon. Ça va devenir rouge et là on pourra manger. Mais là, il faut mettre là. Coupez un, hein. Voilà, c'est la campagne, les oiseaux, mes amis. Bon, je vais vous quitter parce que il va falloir que je rentre aussi. Il faudra que je rentre pour... Je vais bricoler un petit peu. Hein? Là, j'ai passé un bon moment avec Léo, ça fait à peu près. Ça fait 2 heures qu'on est là. Voilà. Après, il va faire un peu frais. Là, il est en train de couper les vers de terre. Ça me sape pas. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on est arrivé, enfin, avant qu'on arrive ici, il y a mon beau-frère qui nous a vus, il nous a dit, vous allez pêcher, ouais, on va au lac, on va chez toi. Et le truc, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'eau qui a dit que justement, on allait pêcher dans son lac. Bon, il s'en fout, hein, c'est le lac familial. Je peux venir quand je veux et faire ce que je veux. Mais le truc, c'est que pour pas qu'on attrape trop de poissons, il est venu avec de la vitamine pour les poissons. Donc c'est avec ça qu'il
Enlève la paille, là, Boubou. C'est avec ça qu'il nourrit les alevins. Et du fait qu'il a... Non, après, le poisson, il ne mange pas, Boubou. Et du fait qu'il a jeté les vitamines, ben, il y a moins de poissons, parce que, bien entendu, ils sont gavés de vitamines. Alors, ces vitamines, ce sont des graines à base de vers de terre. Hein, il faut savoir aussi ce qu'il y a dedans. C'est pas de la vache folle ni rien. Hein. Et ça, on donne que ces graines-là. Nous, on donne que ces graines-là pour les alevins, pour les petits, pour qu'ils fassent, pour qu'ils grossissent plus vite. Et après, on les laisse tranquilles dans la nature. Et regardez, justement, on fait esprit d'avoir des algues comme ça, parce qu'il va y avoir des mouches. Hein. Il va y avoir des mouches, il va y avoir des sauterelles, il va y avoir de tout qui va justement être dans ces herbiers et vont se nourrir naturellement. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des poissons de qualité. Alors ça n'a pas du tout le goût à la base. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, mais ça a le goût à la base. Non, pas du tout. Pour quelle raison? C'est que les rizières, et ça vous en avez parlé déjà, et je vous avais mis quelques petites vidéos comme quoi dans les terres et dans les rizières, c'est de la terre qui est quand même salée. Donc ça veut dire que ici, cette terre-là est salée. Donc ça n'a pas le goût, l'eau n'aura jamais le goût de la base. Voilà. Même s'il y a des dépôts qui se font en bas, et c'est ce qui se passe là avec les... Ah là, t'as attrapé l'arbre de ta vie. Lâche, lâche, moun, non. Enlève, enlève, non. Enlève, enlève. Léo, ouvre. Voilà, ouvre, voilà. Voilà, ouvre. Et le poisson, il a pris et il l'a amené dessous les algues. Maï. Vas-y, Simpson, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà, à droite, à gauche, voilà. Doucement. En haut, un peu. Bon, allez, je vais l'aider. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve un peu plus tard. Ouais. Oh, doucement. En fait, le poisson a pris le verre et est allé dessous les algues. Voilà, allez, je vous laisse. C'était le moment pêche avec Eric Thailand. Ok ?